Il y a deux inconvénients à avoir des biceps courts, c'est que non seulement on va avoir du mal à les développer, disons, en volume, en grosseur, etc., mais aussi on peut avoir tendance à se blesser plus facilement parce qu'ils seront plus faibles. En fait, prenez l'exemple d'un élastique. Au plus vous le tirez, au plus il va y avoir une tension, et puis si vous le tirez trop, il va casser au bout d'un moment. Et donc c'est exactement pareil quand on a des biceps courts. Eh bien, si on tire trop ou qu'on fait des curls par exemple vraiment en exagérant, on peut se blesser, donc contrairement à quelqu'un qui aurait des biceps longs. Donc théoriquement, pour développer au maximum ses biceps, qu'est-ce qui serait intéressant? C'est de faire du curl debout. C'est celui qui va solliciter finalement les deux chefs, long et court, et c'est cet exercice qui va permettre de prendre lourd. Donc un exercice qui permet de prendre lourd, ça va permettre de prendre de la masse globale au niveau des biceps. Donc c'est le curl debout à la barre.